Salut tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons sur une run de Binding of Isaac Rebirth. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je m'excuse pour hier, je n'ai pas sorti d'épisode. C'est ma faute parce que je me suis réveillé tard, je me suis mis à jouer à un autre jeu qui est The Basement Collection, qui est un jeu qui regroupe plein de jeux que Edmund avait fait avant de sortir Binding of Isaac et Super Meat Boy, etc. Et du coup j'ai passé un petit peu de temps dessus, après j'ai un pote qui est arrivé à la maison, du coup on a joué à Magic. Et après j'ai rejoué un petit peu à Basement Collection vu que j'avais pas le temps d'enregistrer un épisode, de le monter, de le mettre en ligne. Et après je suis parti drafter du Magic encore une fois. Et du coup j'ai fini premier au tournoi, ce qui est plutôt cool. Et puis j'ai eu une carte vraiment très spéciale, j'essaierai de vous l'afficher sur l'écran pendant que je parle là, et puis voilà. Sur ce, c'est parti, on va lancer la run, allez hop. Alors, new run. J'ai envie d'encore une fois de prendre Isaac, étant donné que y a des items qu'il me faut, hein, comme les Cube of Meat, et du coup si on arrive à choper un Book of Revelation au premier étage, ou alors à switch un item pour l'avoir, ce serait genre parfait. Alors, Batrip et Ario Wizard, du coup là c'est un peu la quiche, je vais peut-être mourir. Je vais mourir, on va reset cette game. Là c'était la mort. Avec le Ario Wizard, et vu que j'avais perdu deux cœurs, j'étais foutu, je pouvais pas survivre dans cette salle. Eh bien, on relance. Tant pis, c'est pas grave. Lost, oui, c'est ce que j'étais complètement perdu là. Alors, Anarchist Cookbook, on va switch. Ouais, le Quadra Shot c'est bien, Quadra Shot c'est cool. Donc Quadra Shot, hein, 4 tirs en même temps. C'est très très bien, ça ralentit un peu votre cadence de tir, mais bon, vous tirez 4 tirs en même temps, donc au final vous êtes quand même gagnant. Pretty Fly, ça c'est nice. Hop. Lust. Ou Lust. C'est vrai que je regarde vraiment la prononciation de ce mot, puisque je le prononce à chaque fois faux, je suis sûr. Speed Up. Je crois que c'est pas Lost, c'est comme The Lost, perdu. C'est Lust. Lust. AUST je crois, Lust, Lust. Oh je sais pas. C'est quelque chose, voilà. On va l'appeler Pilule Girl ou The Virus. Voilà, ça ira très bien. Ok. C'est cool parce que là pendant ça on a eu deux bonnes pilules. Là on pourrait prendre le risque de perdre des points de vie pour aller checker ces trucs. Faute dorée là. Ce qui me paraît assez utile au final. On va peut-être aller faire ça après. Alors on va déjà faire le boss. Pin, ok, on va se mettre par là. Pin avec des vases dans la salle de fight, je crois que j'ai jamais vu ça. Why not? Oh putain, c'était pas loin. C'était pas loin. C'est l'ego. Ok. Ça, ça permet de augmenter nos points de vie de 1 et ça augmente la chance. Et nous avons un petit KO gris ici, alors hop. Avec le small rock, c'est parfait, ça augmente les dégâts. Ouh, dangereux. Dangereux. Voilà. Allez, une petite clé s'il te plaît. Ah. Ça me paraît chaud quand même. Ça me paraît chaud, je pense que je vais pas le faire. Parce que là je perds deux cœurs. Ah, c'est pas le problème de perdre des cœurs en fait. C'est juste que je sais pas si ça influence directement sur la deuxième salle où je dois pas prendre de dégâts. Faire après de Satan, du coup je préfère pas. Faut vraiment que je me renseigne à fond sur ces salles de Satan, comment on les fait spawn, comment on réduit les chances, etc. Comme ça, j'aurai plus jamais de soucis à ce niveau. Je poserai plus de questions stupides. On fera que des bonnes actions. À droite. Pas de malédiction. Pas de malédiction. Ça m'étonne parce que c'est tellement rare en ce moment que voilà. Hein. Et quand vous jouez en hard en général vous avez que ça. Voilà. Et ça peut répéter. Nice, comme ça, on peut récupérer le temps qui drop au milieu.
Alors j'aurais bien voulu trouver la salle dorée rapidement puisqu'on a le D6 qui est déjà chargé. Alors, on va quand même checker parce que si je mets là, ça fait la salle secrète aussi en même temps. Parce que voilà, les vases quand ils explosent, ils peuvent donner des pièces ou d'autres items de temps en temps. Du coup, voilà, on récupère une bombe pour une bombe et puis bah on récupère notre merde derrière. Enfin, notre merde, de la merde derrière. Alors Envy, ça devrait pas être très dur avec le coup de la chatte, les dégâts augmentés là déjà. De bombes une clé, c'est nice. Ah enfin quelque chose d'intéressant. Let's key. Non, switch, allez hop. Hop, headless baby. Je switch parce que j'ai pas vraiment envie d'aller à Mega Satan au final, ça m'apporte pas grand chose. Dommage, un petit boss baby ça aurait été bien. Le boss trouvé. Petite bombe. Ok. Ok. C'est parti pour le boss, ce qui va pas être très dur normalement, de haunt. Ouf. Oh putain, est-ce qu'on a envie de prendre cette merde? Est-ce qu'on a envie de prendre cette merde? YOLO 2-1-3-2-2-1 2-1-4, on a augmenté nos dégâts. 2-2-1, on a augmenté notre portée, mais on a réduit notre cadence de tir je crois. Ah ouais. Un peu mal au cul. Et on a augmenté nos points de vie de 1 je crois. Dommage, Satan il donne un peu de la merde. Du coup, bon, rien. Ah la cadence c'est pas terrible. Je croyais que j'ai augmenté mes dégâts avec hein, parce que sinon ce serait un peu moche. Ah ça c'est nice. Plus de malédiction et un cœur noir, voilà c'est ça. Et hop. Et puis on est super magnifique. Magnifique bougie sur la tête. Dommage pour Sky ou Gris. Et bon, c'est pas grave. Prochain étage, on ouvre le marchand, je pense. On est... Oula, je suis désolé, j'ai tapé sur le micro. On est proche des 15 pièces. Hein. Ça peut être cool. Pour ça... Et... J'ai pris dans le mauvais ordre les cœurs. J'en peux laisser le demi-cœur pour autre chose. Mais bon, tant pis. Petite clé, bien mieux que les deux cœurs. Ouais, la batterie. Ce sera pas aller la prendre si on a vraiment besoin de switch quelque chose qui est merdique. Pièce par à droite. Rien. Alors en haut, nous avons la salle dorée. C'est ce que je voulais exactement pour eux. Le D6 le plus de fois possible et de manière correcte. Ouais non. Ouais. Allez on le prend, moi j'aime bien. Samsung Chains donc qui vous protège des coups, qui permet de casser des obstacles. C'est de le faire là. Ah c'est compliqué dans le coin et tout. Peut-être si je le chope ça. Ouais non. C'est compliqué là. Et ça vous protège au cas où ça arrête les coups, donc c'est juste génial quoi. Quand vous mettez comme ça vers l'ennemi. S'il tire, voilà, ça arrête le coup, comme vous pouvez le voir. Bon, maintenant on va essayer de le tuer quand même. Voilà.
C'est un peu le but. Ok. Ah là, le caillou s'est cassé. Voilà. On va checker la salle secrète plus ouvrir ce passage. Ok. Ah, ah. Pas terrible tout ça. Oula. Ok. Nice. C'est le caillou. Yves. Ah. Bon, bien passer dessus, c'est ça le problème. Du coup, c'est super compliqué. Déjà, au boss. Garde Junior. Et il fait des dégâts si les ennemis sont touchés par le feu là, normalement. Matesis. Elfop. Range up. Speed down. Ok. On va pouvoir profiter de tous ces cœurs qui traînent maintenant. Et on va aller au marchand. On va aller au marchand. La Bible. Ou 1 plus 1. Bon, j'ai donné de la thune parce que ça m'intéresse pas spécialement. Le 1 plus 1 est génial, mais... Et hop. On se casse. On va à droite, récupérer. Ouais, je peux pas vraiment... on a fait la salle dorée, on a fait la salle du marchand, on a fait la salle du boss. Je pense que le reste de l'étage, c'est bon. Pour moi, c'est validé. On va prendre quand même ce cœur rouge, on sait jamais, hein. On est jamais... On sait pas ce qui peut se passer dans les autres étages, du coup... Je pensais que ça allait marcher, mais non. Bah, si on chope une salle de malade et qu'on crève dessus, parce qu'on n'a pas récupéré ses petits cœurs, bah, ça serait un peu la misère. Amnesia. Great. Ça c'est speed up. Ok. Tac. Oh putain. Oui. Nice. Yes, des clés. Une clé je crois. Spider dans le sang. Je suis désolé, je suis un peu malade, du coup j'ai un peu la voix à la porte. Mais bon, c'est pas grave, je pense que ça ira. Aux petites oreilles. Ah. Ah. Ok, la salle dorée s'il vous plaît. Pas si vite que ça, c'est bonhomme. What? Ah, la flamme. Monir, ça c'est mon câble. Ça, il fait rien encore pour l'instant. En train d'observer. Il est en train d'observer le câble du casque et je crois qu'il a envie de le bouffer. Hein. Il a envie de le bouffer a priori. Monir, non, 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 non. Tu peux t'amuser avec ça. Hop. Oh, le damage up plus challenge up. Pas mal. Peut-être le prendre. Ah merde. Mauvais sens. Je sais pas si je prends le damage up, change up. Perso je l'aime bien moi. Donc ce qu'on m'a dit ça augmente les. Donc le nombre. Oula putain. Le champion par salle. Attendez, je me concentre un peu parce que ce genre de salle c'est vraiment le piège à con. Et je me fais souvent voir du coup. Voilà.
Ok. Donc ça augmente le nombre de champions que vous allez croiser. Et les points de vie des ennemis, je crois. Du coup, ça peut être très handicapant, mais bon, augmenter les dégâts, c'est cool. Je sais pas si ça augmente les dégâts des boss, par contre, leurs points de vie, etc. Je pense pas. Bon, on va aller l'acheter, je pense. Allons-y. C'est bon, mon oiseau il est juste à côté, il sait pas quoi faire et il a envie d'aller... Ah non, ça c'est le câble de l'Xbox. De l'Xbox, de la manette d'Xbox. Monir. Ah putain, je suis en flamme. Attendez. Monir. Aïe aïe aïe. C'est pas possible. C'est pas des vers de terre noire. C'est des câbles. Oula putain, c'est quoi cette mouche là qui est en mode vitesse x 1000 là? Rien compris quoi. Fait qu'il est mort, j'ai pris un coup. Peut-être que ça tend. Ah, ça de l'ange. Speed up plus size down. Ouais. Ouais. J'aurais pu switch l'item, mais je l'aime bien moi, speed up et size down du coup. Pour moi ça me va. On a fait la salle de reste étage ou je sais même plus. Non, on l'a pas fait. J'ai trouvé ça. On l'a fait en fait. Non, on l'a pas fait normalement. Technologie 05, c'est ça? Soyons fous. J'ai parti des trucs sur le bureau pour qu'il puisse s'éclater avec. Voilà, c'est bon. Monir. Et à finir par me bouffer le câble de la Xbox, du casque et de la webcam quoi. Et à finir par y arriver à force. Ouais. Ah non, le caca qui a décalé au même moment que moi, putain. Wow. Et j'aurais pu tuer l'ange pour aller à Mega Satan, mais comme j'ai dit, ça m'intéresse pas tant que ça, franchement. Je trouve un peu dommage qu'il n'y ait même pas un seul succès, genre le tuer avec n'importe qui une fois, quoi. Je trouve ça dommage. Je comprends pas. Marchand, pas beaucoup de pièces. Oula. Ouais, on a assez de clés par contre pour l'ouvrir. C'est sûr. Le move de merde. Non, ça je switch.
On va les prendre. Mais bon, je me dis que je vois les switch aussi. Bon, je crois qu'on va les prendre activement parce qu'il y a beaucoup de ça a priori. Allez hop. Donc 5 bombes supplémentaires, et puis les bombes empoisonnent les ennemis. Hein, qu'elles explosent et à côté. Waouh, ok. Ah merde. La ball of bandage. Oh, ça a plus souvent la ball of bandage que le cube of meat, hein, quand même. Hein, pour l'instant, c'est un petit peu dommage. Ouais, étage suivant. Ah, what? Ah, mais merde, il pose des flaques, c'est vrai. C'est vrai. Oh, petite damisède, ça fait un quadra shot dans tous les sens. Waouh, c'est incroyable. On va tester ça de suite. D'accord, dans une salle avec des ennemis c'est mieux. D'accord, putain de troll. Oh mais sérieux les gars. Waouh. On va déjà donner des pièces. Oh. Level 4. C'est bien. Ça. Bon, c'est pour une salle avec des ennemis, s'il vous plaît. Non mais c'est une blague. Une blague. Les ennemis ont déserté le jeu. Ce genre de choses. Voilà. Super la salle de merde, j'ai même pas pu voir ce qui se passait quoi. Avec les tirs, ça, ça en tirait un ou autre. Plus, parce que bon, c'était tout ce que là à moi, les masques de merde. Ah putain. J'ai dit une salle avec des ennemis, pas de la merde. Ah ok, c'était juste une grosse larme dans tous les sens. Ok. Peut-être quand même le garder au final. Les six, on a plus grand chose à changer là. Sinon ce petit scapulaire qu'on va switch, que ben c'est bon, pas trop besoin je pense. Ça rajoute un soulard quand vous êtes à un demi-cœur. Hop. La relique nous ressuscite en prescription si je dis pas de bêtises. Why not? Il y avait encore une salle en bas là-bas je crois. En bas là-bas. En bas là-bas. Balabas balabas. Pardon. Alors, à droite. Non. En bas. Oui. Ah putain de bite. Amnésia. What the fuck le boulet ce qu'il a fait. Vous avez vu ce que j'ai vu. Il a fait un spin autour de moi là. Ah putain mais je suis une je bouge même plus. La mic est très bien, ça protège tout tir qui arrive dans le masque, ça les annule. Les dégâts. Putain de merde les larmes. Oh là 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 là, j'ai pas le temps de me concentrer sur tout ce qui vient là sur ma tête. C'est le challenge up qui la rend autant agressif comme ça, je pense hein. Oh my godness quoi. Oh j'ai pris tellement cher. Oh là 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 là.
Allez, négative. Oh mon dieu. La fin de la run déjà. Ouais, super. Nice. Ok, une pile. Ok, virap. Alors on veut pas perdre des points de vie en rentrant là-dedans, du coup ben on oublie, on oublie. Ok. Et quand on a besoin de cœur, ça donne des pièces et des clés quoi. Ok, au gris ou pas? Non. Pin. Double. Ok, toujours pas de cœur, hein. Non mais c'est... Ouais, pourquoi pas. On a pris le mauvais chemin en plus. Ah putain de bite! Je déteste ces machins. Quoi. Je suis juste stupide. Je fonce dans les pics. Oh là là. Oh putain, j'ai oublié de bouger. Oh la connerie. Oh la grosse connerie. Bon, elle est là. Oh my godness quoi. Oh putain de merde. Oh putain. Bon truc à faire là, c'est de trouver ça le soupette. Ah. J'ai pleuré parce que y a grid dedans. Ah putain, encore plus de pièces. C'est un scandale. C'est trop la deuxième salle secrète. J'ai un peu les boules de mettre la bombe et de rester à côté, mais bon, ça va. Donné que si on la trouve cette salle, ça pourrait être la salle avec plein de cœurs et du coup me remettre dans la partie là. Aïe 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 aïe. Je sens que ça va être triste. J'aime pas quand c'est triste. Dans mes runs. Ah putain. Allez. Ah merde. Vite. Bon. On va serrer les fesses. On va faire très attention. Allez. Ça avant que je peux prendre une mouche et que je meurs là dessus, c'est vraiment moche. Moche mais à 2000% quoi. Et on reste là derrière tranquille et on y va. Il a double explosé lui je crois. Il a pu lâcher un cœur. Please. Ah oh, les gars, sérieusement. Ça, ça peut être intéressant par contre. Voilà. Pas hésiter à t'exposer la gueule. La fish head, bah, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai un peu les boules que mon boulet il tape le machin là en fait. Du coup je crois que j'ai libéré le passage de ce côté pour être tranquille.
toujours être cool. Tac. Demon, ok. Cancer comme lance de tir. Zia. Bon. Ah là là, j'ai envie d'avoir cette deuxième seule sepote. J'ai peur que le boulet il pète cette bombe de merde. Oh my goodness. What the fuck, comment elle était si proche du bord vers le bas? Ok, on va déjà au boss. Blood, putain, je peux pas avoir mieux quoi. Pour moi c'est la version normale, c'est déjà ça. Par contre, ces trucs sur le milieu, ça me fait trop chier là. Je peux juste rien faire. Quoi. Allez, descends. Nice, le halo qui augmente toutes les stats de 1. I know all. The mind qui dévoile la carte, je crois. On va casser ces machins parce qu'on sait jamais. Tout l'heure, yes. Une fois on tue pas les anges, ils sont bien gentils hein. Okay. Donc on a la carte qui sera 100% dévoilée normalement. Ok, speed up. Il flop, Amnesia, Hermathesis. Ouais. Allons-y. Là je suis un peu mieux dans la game. Vu qu'on a récupéré quelques petits cœurs à gauche et à droite. Puis on a la carte qui est dévoilée au complet, c'est très bien aussi. On va aller faire le sous-boss qui est juste à droite pour commencer. Pièce de sous-boss Pride, ok. The Emperor, très bien aussi. Très bien. On va peut-être la garder et on va aller à la salle d'arcade, je suppose, pour essayer de choper des cœurs. Ce serait bien. Notre meilleur spot. Chemin. Qui est déjà mort. Ok. Donc toi, on commence par toi. Toi. Merci. Puis toi. C'est cool. Maintenant on va donner nos clés à lui. Et on les fait péter. Je comptais garder deux clés au cas où. Voilà. Là, ça passe. Là c'est cool. Ok. Là je pense qu'on peut y arriver. Tac, on récupère des cœurs à gauche et à droite, c'est cool. Doucement bonhomme. Alors attends que le sang disparaisse. D'accord, un petit cœur, c'est cool. C'est quoi toutes ces pièces, mon dieu? Putain de merde. Ok. Au final, je perds plus de temps à faire ce machin que... Bah, je gagne plus en dégâts si je tape simplement normalement. Putain, mais c'est quoi tous ces coffres?
Alors, c'est le secret, plus ou moins par là. Un petit cœur noir, donc on switch un cœur blanc, cœur noir. Niveau optimisation, ça aurait été mieux de le prendre après le fight contre It Lives. Au cas où j'ai pris un dégât, ben hop, je peux récupérer un cœur noir en plus gratos. C'est pas non plus la fin du monde, paralysis, ok. Et hop, allons-y. Lives, putain le boulet, mais... Ces trucs, de temps en temps. Mais putain, mais ce Technology 5, ça touche, mais genre, quand ça veut, quoi. Je sais pas. Bah, j'ai l'impression que le rayon il est passé au moins 5 fois dessus, mais non. Il touche pas. Allez. On a pris la négative, hein. C'est bel et bien ça. Allons-y. Allons-y. Ce qui est cool, c'est qu'on a pas le droit d'avoir de malédiction et on a la carte qui est dévoilée à 100%. Du coup, bah, on a vraiment aucun souci de carte normalement pour les celles qui restent. Hein. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Putain, c'est ce qui va être parlé pour Alain. Tower, ok, pas très utile en tout cas pour l'instant. On va utiliser après. Herma, non merci, on va passer par là. Qu'est-ce qu'ils sont bloqués dans les points comme ça? Allez hop, on bombe. Fatigue. Faut jamais oublier qu'à partir de cet étage, si vous êtes dans une salle XL, c'est toujours de boss hein, normalement. Putain. Très utile hein, mais bon. Allez. Nice. Hop. Putain l'arme. Ouf. Pas réussir à le protéger, du coup on va d'abord tuer Satan. Putain de merde. Ok. Aïe 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 aïe. Voilà, là j'aurais perdu mon cœur éternel. On va le faire dire, parce que normalement avec le poulet là. Ok. Super. C'est mon cauchemar ces petits machins qui volent dans Mega Satan. Enfin dans Mega Satan. Contre Satan. Puis là avec le challenge up, j'ai l'impression qu'il y en a 10 fois plus quoi. Aïe 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 aïe, j'ai pris tellement cher. J'ai pris tellement mais tellement cher. C'est abusé. On y croit ? Bon bah deux coffres rouges, être un peu la misère je pense.
Ça va, on a eu deux bulles, une speed down, une amnésie. Ça va. Ça va, hein. C'est pas mal ça. Voilà. Putain, c'est de merde. Je pourrais claquer la DM Pro, mais je vais la claquer quand je serai vraiment en difficulté en fait. C'est ce que je vais faire. Là pour l'instant ça c'est pas non plus la mort comme ça. Le chiant est long. Putain il tue mais vraiment un petit feu quoi. Oula. Elle m'avait encerclé mais non. Ryan Queen s'est dit non non c'est bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est marrant parce qu'elle peut pas invoquer de monstre ou de caca ici en fait. Vraiment chelou ça. Je comprends pas le principe de... Peut-être qu'il puisse pas en fait. Voilà. Peut-être qu'il s'est impossible du caca dans Dark Zone. Je sais pas. Faudrait essayer d'amener The Poop ici en fait pour checker. Et j'ai eu énormément de chance là comme vous avez pu le voir. J'ai juste tué avant qu'elle me touche. Oh la chatte mais ultime quoi. Ah bah là y'a qui est invoqué. On va pas le prendre. On va aller à droite. Ouais, je les déteste mais ils sont un peu en carton du coup, tu devrais le faire. Ok, un item. Ah. Masse de dégâts ça fait déjà un petit peu. Je pense que c'est mieux que ta missette pour nous rendre invincible. Taper un peu plus fort déjà de blesser le sol. Par contre j'ai pas de points de vie, ça m'inquiète. Ouais, c'est pas possible. Il faudrait que certains ennemis les toucher. On va peut-être essayer d'atteindre la salle secrète. Oh putain de ok, un cœur supplémentaire c'est cool. Des fois les méga fatigues elles tombent en 1 millième de seconde et des fois elles prennent 2 secondes à tomber, c'est vraiment bizarre ça aussi. Putain de son quoi. Oh my god quoi. Carte de la mort et de la vie là. On va le prendre, ça absorbe un dégât. Bon bah ben, sauvé par The Sun hein, c'est GG ça. Ok, à moins que crève et il crache la brimstone. Il y en a qui me disent qu'il crache pas de la brimstone mais quand vous mettez devant crache la brimstone celui-là. Faut toujours être dans son dos au cas où. Hein. Voilà, arrêtez de me dire qu'il crache pas de la brimstone s'il vous plaît dans les commentaires. Il en crache celui-là aussi. Ok. C'est parti pour The Lamb. Hop, c'est parti, The Sun. Je
putain, c'est stressant, je vous jure, c'est stressant si on est full life. Stressant de se dire qu'on était quasiment mort en fait. Oh. C'est cool, on voit plein de patterns que j'ai quasiment jamais vu, genre les dash, je les ai vu peut-être une fois ou deux. La brimstone, les... waouh, brimstone comme ça, non, j'ai jamais vu. Et donc voilà, on y est arrivé. Je pense pas qu'il ne reste là, c'est bon. On s'est donné à fond pour le faire. C'était pas mal, c'était pas mal. On a failli ne pas y arriver, hein. On a failli ne pas y arriver, putain. Et je pense que je serais mort si j'avais pas eu The Sun, hein. Ça c'est quasiment sûr. Putain. Dur, dur. The fuck. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Oh. Je crois que j'ai fait accélérer la musique en rentrant en mode licorne dans le machin, je crois, parce que elle était vraiment bizarre. enfin, je sais pas si c'est moi qui ai fait ça, mais... ou si la musique est comme ça de base, mais... j'ai aucun souvenir qu'elle soit comme ça, quoi. En tout cas, c'était une belle run. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et j'en perds mes mots. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao les amis.